Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous êtes député européen, vous avez fondé avec d'autres le parti de gauche. À l'élection présidentielle de 2012, il faut le rappeler, vous avez recueilli 11% des suffrages. Vous avez été sénateur de l'Essonne, ministre de Lionel Jospin et vous êtes opposé, très opposé, on le sait, au gouvernement de M. Valls et au président de la République, François Hollande. Vous les avez bien connus lorsque vous étiez membre du PS. Vous dénoncez sans cesse l'austérité, la rigueur, la dérive libérale. Laurent qui pose la première question. Alors on est à moins de 20 jours d'élections départementales. Quelle est votre stratégie à vous? Le président de la République, le Premier ministre ont pris le Front National comme adversaire principal. Vous, comment allez-vous aller chercher, arracher ces électeurs qui ont échappé à la gauche? Oui, alors, d'ailleurs, votre question comporte deux aspects, donc c'est un peu... Je vais essayer de répondre aux deux. D'abord, le président de la République et le Premier ministre ont pris pour cible le Front National. Je vous rappelle que quand j'en ai fait autant pendant l'élection présidentielle, ils m'étaient reprochés de leur donner une importance qu'ils n'avaient pas. Donc c'était bien moi qui avais raison et eux qui se trompaient. Et maintenant, qui entretient et crée le phénomène Front National, c'est d'abord une situation économique, sociale, politique, de détresse aussi culturelle, dont la principale responsabilité vient du fait que les Français ont voté pour un changement social et économique, et c'est le contraire qui s'est produit, c'est la continuité. Donc il y a eu une grande mystification de plus, et la colère s'exprime pour l'instant dans le fait que les secteurs qu'influence le Front National sont plus en dynamique que le reste. Je demande qu'on mette les choses à leur place. Dans l'élection européenne, par exemple, le Front National a mobilisé 4 millions des 6 millions qu'ils avaient eus à la présidentielle. C'est-à-dire qu'ils mobilisent mieux leur électorat dans un océan d'abstention que le reste. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Comment nous mettre en dynamique? Les socialistes ont trouvé comme réponse que nous devons leur obéir et nous mettre en rang derrière eux au nom de l'unité. Alors, unité, travaillez le dimanche et taisez-vous. Unité, ceci, cela, c'est-à-dire toute leur politique socialement détestable, nous devrions l'avaler au nom de l'unité. Donc le Front National est un diable de confort pour le Parti Socialiste. C'est ce qui lui permet d'effacer les traces des dégâts, pense-t-il, qu'il provoque. Notre stratégie part d'une situation qui est extrêmement défavorable pour nous. Pourquoi? Parce que j'estime que nous n'avons pas su attraper la vague que nous aurions dû prendre et que notamment aux élections municipales nous nous sommes rendus, nous le Front de Gauche, illisibles par le fait illisible, que... Illisibles. Ouais. Tantôt nous combattions l'alliance avec les socialistes, tantôt nous étions avec eux, la confusion était à son comble. Et Mme Le Pen a totalement profité de ça et c'est bien normal. C'est une stratège, je le suis, et l'art de la stratégie commence d'abord par savoir reconnaître les moments où c'est plus vous qui avez la main. Donc, que faisons-nous dans cette campagne? Nous essayons de construire la nouvelle gauche, la gauche de relève. Ce qui viendra après l'effondrement inéluctable du Parti Socialiste. – Ça pour vous c'est clair. – Oui, bah, de manière politicienne, ils peuvent se survivre, trouver une astuce, mais sur le fond, c'est-à-dire de ce que la culture de gauche représente dans le peuple français, il est inéluctable que cette chose soit effacée. Cette chose, c'est la politique valso, je ne sais quoi, enfin bon, qui n'a plus rien à voir avec le socialisme historique et républicain. Donc, nous essayons de construire cette nouvelle gauche. Je dis bien... Nous sommes en train de le faire. C'est-à-dire que dans la moitié des cas, par exemple, Europe Écologie Les Verts est alliée au Front de Gauche. Que la petite formation qui s'appelle Nouvelle Donne, qui est également issue du Parti Socialiste, est alliée avec nous. Que les socialistes affligés, autour de M. Limbanoc, l'économie, sont aussi avec nous. Donc, nous sommes en train de construire la nouvelle gauche. Ça va prendre au moins le temps d'une élection départementale. Et ensuite, on se retrouvera aux élections régionales, où j'espère que, pratiquement dans tout le pays, nous aurons des listes unies qui regroupera toute cette gauche non gouvernementale, je veux dire au sens de qui n'est pas membre du gouvernement actuel, car gouvernementaux nous le sommes, et que moi j'appelle l'opposition de gauche. Donc il faut absolument qu'on réussisse, mais ça ne se verra pas le soir du premier ni du deuxième tour, parce que le ministère de l'Intérieur a tripoté les normes, les nuances, les étiquettes, et nous voici tantôt repeints en divers gauches, tantôt en extrême gauche, parfois en autre chose, parce que l'intérêt suprême du Parti Socialiste, comme ne cesse de le répéter Valls, Le Foll et les autres, c'est de pouvoir dire le soir des résultats, mais de toute façon il n'existe pas d'alternative à gauche, donc ou bien c'est nous ou c'est rien. Et évidemment les gens choisissent rien plutôt que... Benjamin Rosier, RCF. Pour revenir au Front National quand même, est-ce que vous ne pensez pas que la France tout de même se radicalise ou est-ce que c'est seulement cette démobilisation de l'électorat du Front National qui est moindre
que d'autres électorats. Non, non, c'est une radicalisation réelle, politique dans notre pays et culturelle, bien sûr. Et qu'est-ce que vous n'avez pas su le pays prendre. Mais attendez, on va en parler, parce que je sais que ce qui est important, c'est de comprendre les phénomènes. La radicalisation du pays est le résultat de sa désagrégation sociale et républicaine. Les pouvoirs en place ont tout brouillé, rendu tous les repères illisibles. Bon, la France des départements, c'est la France de 1793. Hein. Bon, ça fait deux siècles que ça dure, cette histoire. Alors, on a tout embrouillé, changé, découpé, enlevé, remis. On ne demande jamais son avis au peuple, mais on change continuellement ses institutions politiques. Deuxièmement, vous avez une campagne dans les élites politiques et culturelles du pays, orchestrée par la Pravda de la bien-pensance, qui est le journal Le Monde, qui encore hier consacre deux pages au Front National. C'est tous les deux ou trois jours. C'est nous trop, avons d'immenses... Oui, je sais qu'on ne doit pas dire du mal des collègues, mais moi je m'en fous, c'est pas les miens, d'accord. Donc, deux pages, c'est trop, c'est ça que vous dites. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils ne comprennent rien à la psychologie de masse du fascisme, et je les invite à lire Wilhelm Reich, dans le livre qui porte ce nom, Psychologie de masse du fascisme. Le fascisme fait d'une poussière humaine une force matérielle. C'est ce que décrit Wilhelm Reich. Donc, cette obsession à répéter sans cesse que c'est un danger, loin de pousser les gens à s'en écarter, les en rapproche. Qui plus est, voici maintenant, depuis des mois, et en particulier depuis les meurtres odieux du mois de janvier, qu'on ethnicise tous les conflits en France. Vous allumez la télé, vous mettez une chaîne d'information en continu, et vous avez droit à l'antisémitisme et aux islamistes abominables. Et donc, comme si la France était située quelque part sur les bords du Jourdain, et qu'on serait en train de s'entretuer entre juifs et musulmans. Non, la France, ce n'est pas ça. Mais créer cette ambiance, c'est une manière de tout ethniciser, et vous savez que la politique, les programmes politiques, reposent d'abord sur des cultures. Et cette culture de l'ethnie, qui n'a rien à voir avec la pensée française, eh bien, cette culture de l'ethnie qui correspond à la logique du choc des civilisations que les Nord-Américains ont mis en place, eh bien, c'est le terrain sur lequel prospère le Front National. Si vous aviez tous les deux jours deux pages dans Le Monde sur les conflits sociaux, mettant en scène des héros des conflits sociaux, braves hommes et braves femmes qui prennent des risques. Si à la télévision, on voyait plus souvent des films comme ceux qu'on a lus l'autre soir, documentaires sur FR3, à propos de la famille de Wendel, vous verriez qu'immédiatement, le point de vue des Français changerait et que, quelle que soit sa religion, on se sentirait frère ou sœur de la personne qui pâtit avec vous des mêmes conditions et que donc, nous aurions une autre vision des choses. Et alors, puisque je suis face aux chrétiens, oui, mais vous avez quelque chose à voir avec mon discours, quand bien même nous ne sommes pas de la même chapelle, si j'ose dire. C'est que le christianisme s'est présenté comme un universalisme. Et il a toujours pâti de la fermeture. C'est-à-dire que chaque fois qu'il est devenu une religion officielle, chaque fois qu'il est devenu un quasi-camp, il s'est rabougri. Tandis que lorsqu'il est devenu, il est resté sur sa base universaliste, qui est le point de départ, la fin de l'Empire romain, la traduction mystique de l'édit de Caracalla. Caracalla dit tout le monde est citoyen de Rome, et l'Église qui passe derrière dit ben, tout le monde est égal. Donc ce discours-là ne peut pas coller avec une ethnicisation religieuse de la société. Les chrétiens en France ont la même expérience que tous les Français. Deux siècles et demi de guerre civile pour ne pas arriver à mettre d'accord catholiques et protestants, et ils n'y parviendront jamais, sinon dans leur domaine, ce n'est plus mon affaire. Mais nous avons tout essayé en France, tout essayé, le massacre mutuel, la conversion de force, la déchristianisation de force, tout a été essayé. Seule la laïcité fonctionne, et la laïcité, c'est aussi une attitude personnelle qui consiste à ne pas accepter l'ethnicisation et la transformation de tout conflit en un conflit religieux. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Alors, deux questions, la première... Vous parlez donc d'ethnicisation. Qui a intérêt à ethniciser les conflits? Parce que si on écoute Marine Le Pen, elle n'est pas du tout dans la logique de l'ethnicisation, mais plutôt dans un discours républicain qui... Elle a plus besoin de faire le travail, hein. Il est fait par d'autres. Elle pourrait... Enfin, à mon sens, mais peut-être contestez-vous cette version, elle ne joue pas sur ce caractère ethnique. Pas du tout. Bah alors, mais alors, sur un côté, sur l'inflexibilité républicaine, c'est ça son discours. Elle vous ressemble de ce point de vue-là. Elle est extrêmement habile. C'est pas d'aujourd'hui, je vais découvrir sur votre plateau, que des fois elle récite des passages entiers. Elle ne le sait peut-être pas, je ne sais pas qui lui prépare ses discours. Mais les thèmes, jusqu'au thème, j'ai démarré le thème de l'économie de la mer, pouf, je le retrouve dans sa bouche. Alors, pourquoi agit-elle comme ça? Parce qu'elle n'a plus besoin de faire le travail. Ce travail est fait par d'autres. Consultez et sur pourquoi, Internet. Pourquoi et qui?
Attendez, consultez sur Internet ce que racontent les candidats aux élections départementales du parti de Mme Le Pen. Vous verrez que ce n'est pas du tout le point de vue qu'elle est en train d'exprimer. Mmh. Et elle s'est glissée dans les habits du républicanisme. Pourquoi ? Parce que seule la République fait consensus en France. Et que le rôle de quelqu'un qui aspire à diriger le pays, que ce soit moi, que ce soit elle, nous ne pourrons jamais partir de moins que de la République. – C'est un déguisement pour Marine Le Pen ?– Évidemment, c'est ça. Oui, mais le désastre qui s'annonce, du moins aurais-je tenu tranquillement, fièrement, ma bannière républicaine intransigeante. Bon, alors qui a intérêt ? Tous ceux pour qui l'ethnicisation des conflits est un moyen de se dispenser de parler du reste. C'est-à-dire que pendant qu'on parle de juifs et de musulmans, pendant qu'on oppose des religions, on ne parle pas du social, on ne parle pas du culturel, on ne parle pas de géopolitique, ou plus exactement, on en construit une. La géopolitique du bien contre le mal, vieux thème bouchiste, les terroristes contre la démocratie. C'est l'Amérique qui a intérêt, ou c'est une forme d'américanisation ? Fondamentalement, c'est l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, c'est la théorie du choc des civilisations qui se répand comme un venin à travers le monde entier et qui trouve localement des points d'appui. Par exemple, en Europe, le point d'appui de la théorie du choc des civilisations, c'est, ça va vous paraître très étrange, l'Allemagne, le gouvernement allemand, pardon, je sais qu'il faut toujours faire très attention et réciter la mantra d'un bout à l'autre, le gouvernement allemand de la CDU-CSU réactionnaire de Madame Merkel et Chapeau Bleu, n'est-ce pas ? Donc après, pour faire plus court dans l'émission et gagner du temps, nous dirons le gouvernement allemand. Donc, voilà, eh bien, le gouvernement allemand est dans une logique... Par rapport à cette théorie, je demande qu'on m'entende bien, le gouvernement allemand, la droite conservatrice allemande, a toujours été ethniciste. La nation allemande est une nation qui affiche sur le Bundestag dem deutschen Volk, c'est-à-dire le peuple au sens de l'ethnie allemande. Par conséquent, ceux qui sont les mieux placés par rapport à ça, les plus enclins dans cette pente, c'est le gouvernement allemand. Et le gouvernement allemand instille à toute l'Europe une politique qui est faite de régionalisation, qui est faite d'individualisme qui ne tient aucun compte des structures politiques, mais complètement des structures ethniques et culturelles. Bon. – De soutien aux minorités. En fait, ce que vous appelez ethnicisation, c'est le soutien aux minorités culturelles. Que l'Allemagne soutient les langues régionales, par exemple, aux minoritaires. – On se disputerait, vous et moi, sur quelle définition on donne des minorités. Parce que, pour prendre l'exemple, puisque vous évoquez les minorités régionales, qui en effet, il y a des minorités régionales en Allemagne, l'Allemagne est un agrégat du 19e siècle. Les multiples principautés allemandes avaient aussi des fondements historiques très lointains et très profonds. Bon, ça se discute de savoir si la Sarre est aussi allemande qu'elle en a l'air. Bon, tout ça, nous le savons. En tout cas, les gens un peu cultivés le savent. Et regardez la part de l'Allemagne au fait que c'est répandu partout l'idée qu'il y avait des minorités culturelles qui, de fait, étaient des minorités politiques et des minorités des peuples minoritaires. Ça vient de là. La charte des langues régionales au point de départ est instituée par une organisation qui s'appelle la Fédération ethnique européenne. Bon, ces gens-là ont un lien direct avec le Congrès des peuples qui était financé par la diplomatie du gouvernement allemand des années 30 pour instituer les droits des minorités. Au début, ça avait été pensé par les Américains comme une des méthodes pour empoisonner la vie du camp de l'Est. Et en effet, il y a des problèmes à l'Est, puisque vous avez des Hongrois chez les Roumains, des Roumains chez les Hongrois, donc ça tombait très bien, ça permettait d'y ficher une pagaille qui était utile. Bon, mais maintenant, quel est le sens de tout ça ? D'avoir créé l'illusion qu'il y aurait autant de peuples qu'il y aurait de régions en Europe. Et vous voyez la classe politique bien élevée française faire des gargarismes sur le fait que les Landers, c'est génial, qu'on va faire des grandes régions pour ressembler aux Landers, quand bien même les régions françaises avaient déjà une superficie supérieure à celle des Landers allemands. Vous faites du German bashing, quoi. C'est ça qui paye aujourd'hui. Je ne sais pas. Écoutez, vous avez tendance à tout transformer en spectacle. D'abord, German bashing, dites-le en français, s'il vous plaît. Le dénigrement du teuton. Voilà. Non, ce n'est pas ce qui marche en ce moment, monsieur. C'est une culture profonde chez moi. Les Allemands nous ont envahis trois fois. L'histoire de France est faite de cette relation. Et si vous voulez aller plus loin, les empereurs romains ont cramé leur vie à être sur la frontière là-bas. Bon. Et la vraie frontière de l'Europe culturelle, c'est celle qui sépare l'Empire romain, les limes de l'Empire romain. D'un côté, la cité, les citoyens, de l'autre côté, la tribu et la horde. Si vous ne savez pas ça, vous ne savez rien sur l'Europe. On m'a dit de ne pas m'inquiéter. Un mot d'encouragement, il en avait bien besoin. Lui, c'est l'homme du président. Bernard Combes, son conseiller. Et quand François Hollande dévisse dans les sondages,
Il veut croire que c'est toujours un atout. Ça n'est pas un poids, c'est une chance d'avoir François Hollande dans ce département. Et sincèrement, et du fond du cœur et de tous ceux des Corréziens qui sont là, ils en ont la parfaite conscience. La favorite du scrutin, c'est la droite qui part unie pour la première fois. À Tulle, le candidat UMP ne manque pas une occasion d'attaquer le chef de l'État. Je pense que François Hollande, c'est, dans le cœur des tullistes, il s'est détaché de ce territoire. Ça veut dire, c'est tout ce qu'il incarne désormais. À gauche, traditionnellement rallié aux socialistes, le Parti communiste part sans lui à la bataille. Cette fois, pas question de s'associer au gouvernement. On doit se travailler à une alternative à cette politique qui n'est pas celle pour laquelle nous avons voté en 2012. Le FN, historiquement peu implanté sur ce département, mise aussi sur le désaveu vis-à-vis du président. Et du côté du parti frontiste, on l'assure, les retours du terrain sont encourageants. On sent que c'est vrai que c'est un canton qui est très ancré. Néanmoins, les gens sont relativement contents de nous voir et c'est vrai qu'ils attendaient de nous voir. François Hollande sera de retour dimanche pour voter dans son fief corrézien. J'en ai appelé à la responsabilité. La gauche peut disparaître et la France peut se défaire tant il y a succession de crises, crise économique, crise d'identité, crise culturelle, sentiment d'abandon qu'exprime beaucoup de nos compatriotes. Et face à cela, il faut tenir bon dans la durée. J'aime l'entreprise. My government is pro-business. Sur tous les tons, dans toutes les langues, depuis son arrivée à Matignon, Manuel Valls entonne le même refrain. Une petite musique libérale symbolisée par le pacte de responsabilité, des aides aux entreprises et des économies budgétaires. Qu'importe si cette ligne politique bouscule sa gauche, mécontente les frondeurs, Manuel Valls veut faire bouger les lignes et les mentalités, de la City à Londres jusqu'aux universités d'été de La Rochelle. Qu'il y ait même quelques sifflets sur l'idée qu'on soutienne les entreprises pour créer la richesse et l'emploi. Quel message adressez-vous aux Français ? Une ligne politique sans ambiguïté depuis le départ du gouvernement de Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, le ministre de l'économie, remplacé par Emmanuel Macron. Profession réglementée, travail le dimanche, seuils sociaux ou encore modulation des allocations familiales, la feuille de route est assumée. Le Premier ministre lance les débats, provocateurs parfois, comme récemment sur la question explosive du mode d'indemnisation des chômeurs. Sans tabou, convaincu que le modèle socialiste est périmé, Manuel Valls se pose en réformateur, leader d'une gauche pragmatique et réaliste. Bien qu'absent de 500 cantons au second tour, le PS appelle au rassemblement en vue de limiter la perte d'exécutifs départementaux. En Corrèze par exemple, ou en Seine-Saint-Denis, traditionnellement à gauche, le scrutin s'annonce serré entre l'Union de la droite et le PS. Dans 9 cas de figure, l'exécutif sortant est mis en difficulté par la droite. Le Parti socialiste pourrait ainsi perdre près d'une vingtaine de départements. Il faudra ensuite avoir une politique conforme aux souhaits des électeurs de gauche, c'est-à-dire avec un centre de gravité qui prenne en compte finalement la sensibilité écologiste, les sensibilités du Front de gauche. Quand il y a des candidatures du Front national, le désistement républicain, qui n'est pas le Front républicain, pour nous fonctionne. Pour éviter que le FN ne puisse prendre les rênes d'un département, le PS est prêt à se désister en cas de triangulaire. On en recense 314 sur l'ensemble du territoire en raison d'une abstention relativement contenue. Et dans 296 cas, des candidats du Front National figureront au second tour. Or à droite,
la ligne reste la même. Ni consigne de vote pour le Front National, ni consigne de vote pour le Parti Socialiste. Ces deux partis constituent des impasses pour notre pays. Une stratégie jugée inefficace par le Front National. Nicolas Sarkozy n'est pas propriétaire des voix de ses électeurs. Les Français sont libres. Donc je ne m'inquiète absolument pas des consignes qui vont être données par l'UMP, car je crois qu'elles ne seront pas suivies. Pour l'heure, le parti de Marine Le Pen est en mesure de remporter 4 exécutifs, dont le Vaucluse, l'Aisne, le Var et le Pas-de-Calais. La protection des populations les plus fragiles, c'est la compétence principale du département. Le social absorbe plus de la moitié des budgets. Un conseil général finance la politique d'aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Il s'occupe de la protection maternelle et infantile et aussi du revenu de solidarité active. Le département est aussi en charge de l'aménagement du territoire. Cela regroupe l'entretien des routes, des ports ou encore la gestion de la voirie et de l'eau dans les territoires ruraux. Dans le domaine de l'éducation, le département a une compétence technique, la construction, l'entretien et l'équipement des collèges. Il est également l'employeur de tout le personnel non enseignant. Enfin, la culture et le sport sont entre les mains des conseils généraux, avec la construction de stades, de gymnases, la création de bibliothèques et la protection du patrimoine. Il est fort probable qu'à l'issue du vote sur la répartition des compétences entre les collectivités locales, la gestion de l'aide au développement économique soit transférée aux régions. Une compétence jusque-là partagée avec les départements. Le Parti Socialiste est bien obligé de le reconnaître. Les divisions à gauche lui ont coûté cher. Je regrette que dès le premier tour, on n'ait pas eu un rassemblement plus large de toute la gauche et des écologistes qui aurait permis à des candidats d'être présents en plus grand nombre au second tour. Au moins un quart des candidats socialistes seraient éliminés dès le premier tour. La faute notamment à la gauche contestataire, Front de Gauche et écologiste, présents contre le PS dans 80% des cantons. Il y a une dynamique qui a été créée, des choses intéressantes. Il y a une recherche dans ce pays d'exprimer une opposition de gauche à la politique du gouvernement, c'est clair. François Hollande doit entendre le message des Français. Il doit mettre en œuvre une nouvelle politique. Au total, cette gauche alternative récolte 12% des voix. Assez donc pour faire trébucher la majorité gouvernementale, mais insuffisant pour proposer une réelle alternative. Cette situation, paradoxalement, pourrait faire le jeu de François Hollande. Il peut se retourner maintenant vers le reste de la gauche et lui dire « Regardez ce qui se passe. Si nous, à gauche, on n'est pas rassemblés, qui est-ce qui gagne ? C'est Nicolas Sarkozy. Il n'y a qu'une seule façon pour nous de remporter l'élection présidentielle, c'est d'être unis à gauche. » Mais le plus dur reste à faire tant les divergences de fond sont profondes. La question divise aussi les écologistes entre les partisans d'une ligne dure et ceux favorables à une alliance avec le PS. C'est une défaite historique pour le Parti Socialiste dans le Nord. Ses candidats sont éliminés dans 2/3 des cantons. Au niveau local, le PS paye l'absence d'alliance globale avec le Front de Gauche et Europe Écologie Les Verts face à une droite soudée qui devrait s'emparer du Conseil Général. Mais ce n'est pas la seule explication. Une déception, car quand on regarde l'ensemble des cantons où nous sommes éliminés, il s'agit de cantons qui sont ruraux, périurbains, où visiblement la sanction et la protestation par rapport à la politique gouvernementale est forte. C'est un échec puisque nous allons perdre la présidence du Conseil Général du Nord. Dans le Pas-de-Calais, le FN semble s'installer avec 35% des voix contre 26% pour le PS. Mais dans le Nord, le parti de Marine Le Pen réalise une performance avec 30% des suffrages au coude à coude avec l'UMP, ce qui surprend à Lille, puisque le FN n'avait rien remporté aux dernières municipales. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, que demain le FN prend le pouvoir. Ça m'inquiète parce que j'ai pas cru percevoir en le FN quelque chose qui construisait dans le fond une organisation sociale du département. Il fallait un peu s'y attendre, je pense que les gens en auront le bol et puis ben voilà, c'est un peu... On a eu la droite, on a eu la gauche, on a eu la droite, on a eu la gauche. Je pense que maintenant la nouvelle génération, elle veut voir autre chose. Dans le Pas-de-Calais, l'issue est plus incertaine que dans le Nord. Elle dépendra des électeurs de l'UMP et de l'UDI qui joueront le rôle d'arbitre. Le chef de la majorité et le chef de l'opposition. Un duel à 600 km de distance. Manuel Valls près de Limoges, Nicolas Sarkozy à Marseille. Mais la bataille des mots, elle, porte sur une troisième personne, Marine Le Pen, et la menace du Front National sur les prochaines départementales. Lorsqu'une partie de la droite républicaine elle-même dit que le Front National et le Parti Socialiste, c'est la même chose. On a cette équation désastreuse. Les partis républicains
sont égaux à l'extrême droite. Référence aux propos de Nicolas Sarkozy en début de semaine, une déclaration que l'intéressé assume. L'UMP garde en tête la partielle du Doubs, où son candidat n'avait pas passé le premier tour. Je confirme, FN, PS. Une voix pour le Front National, c'est une voix pour la gauche. Au moins c'est clair, au moins c'est précis, et personne ne pourra me reprocher l'ambiguïté. Attaquer le camp d'en face en l'associant à l'extrême droite, des coups de billard à deux bandes dont la présidente du FN n'est pas forcément la perdante. En politique, si vous arrivez à faire en sorte que le débat s'articule autour de votre programme, de vos idées, de votre parti et de votre leader, eh bien vous avez déjà gagné la partie. Marine Le Pen qui faisait campagne dans la Somme, forte des derniers sondages qui placent son parti devant l'UMP et le PS. Le montant du préjudice serait évalué à près d'1 500 000 euros par an, soit plus de 7 millions sur la mandature. Et c'est tout le cabinet de Jean-Marie Le Pen qui serait concerné, ainsi que de nombreux proches de sa fille Marine Le Pen. Plus d'une vingtaine d'assistants parlementaires européens frontistes sont donc soupçonnés d'être payés par Bruxelles, alors qu'ils travailleraient pour le siège du parti à Nanterre. On ne peut pas être payé par le Parlement européen et travailler pour un parti. Des accusations balayées par Marine Le Pen. Nous allons répondre aux questions qui nous seront posées de la manière la plus simple qui soit, car nous n'avons encore une fois rien à nous reprocher dans ce domaine comme dans bien d'autres. Dans les couloirs des institutions européennes, l'affaire suscite surtout de nombreuses interrogations. Ce qui est plutôt choquant, c'est d'avoir deux travail, d'avoir deux fiches de poste, un au parti et un auprès d'un député. Est-ce qu'on peut avoir le don d'être partout? Je ne pense pas. En tout cas, moi, je ne peux pas le faire. À quelques jours des départementales, Marine Le Pen dénonce un complot politique. Pour elle, Manuel Valls est derrière cette manipulation. Un dossier dont se serait bien passé le Front National pour le moment, donné en tête des intentions de vote. Madame le procureur. Autre question, Marine Le Pen. Ce soir, Gérard Davet du Monde expliquait que 29 assistants parlementaires du Front National... Ah, il s'est trompé, c'est pas 29, c'est 20 d'ailleurs. Ça alors justement, il dit 29 ce soir. Non, ce soir, il dit 29. Et il dit qu'ils sont en fait, qu'ils travaillent pour le siège du Front National, qu'ils sont et que le parquet général de Paris est saisi pour financement illégal du parti Front National, car ils sont censés être les assistants parlementaires des députés européens. C'est ce qu'ils sont. Et ils sont en fait payés et travaillent au Front National à Paris. Et donc c'est considéré, ça peut être considéré. Non mais madame, vous affirmez comme ça. Financement illégal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non mais madame, vous affirmez ça, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est une vaste opération, encore une fois, c'est une vaste manipulation politique de la part de M. Schulz, qui aurait mieux fait d'ailleurs... Le président du Parlement européen. Oui, qui lui-même d'ailleurs, que nous venons d'accrocher... Il demande une enquête sur son propre assistant. Ah oui, c'est drôle, parce que lui, à nous, c'est l'OLAF, hein, l'organisme de lutte contre la fraude, qu'il saisit, mais pour lui-même, il demande à ses propres services de vérifier la légalité de son assistant, c'est-à-dire les services qui dépendent de son autorité. Bon, écoutez, tout ça, c'est une vaste plaisanterie. Nous répondrons à l'OLAF, nous sommes très sereins, il n'y a aucune difficulté. Là, il parle du parquet nous de Paris, hein. Nous n'enfreignons aucune loi et en l'occurrence, je ne vois pas comment le parquet de Paris peut se saisir avant même que l'OLAF ait considéré qu'il y a ou non une difficulté au regard du fonctionnement du Parlement européen. Vous n'êtes pas informé ou alors, on appelle Madame Taubira parce qu'on sait que Madame Taubira, qui n'a pas une once d'impartialité, va se saisir politiquement de ce dossier pour tenter de nuire au Front National. Ah, c'est pas mal quand même. C'est Pourquoi bien huilé cette opération. Pourquoi Marine Le Pen, tout est une opération si vous êtes... Parce qu'à 8 jours de l'élection, madame, c'est une opération. Pourquoi tout est une opération? Pourquoi tous les reproches vous êtes trop professionnelle. Une machination. Vous êtes trop professionnelle. Vous savez très bien que lorsque on lance cela dans la presse à 8 jours d'une élection, c'est évidemment pour nuire dans le cadre de l'élection. Croyez-vous que les Français soient dupes de cette situation? Mais les Français, ils décryptent tout ça de la manière la plus évidente qui soit. Mais la vérité, c'est... Un meeting géant à la Concorde, au Trocadéro, ainsi qu'une quarantaine de réunions publiques importantes, voilà ce qui figurait dans la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Pour l'organisateur de ces meetings, Jérôme Lavrieux, il était impossible de faire une campagne sous le plafond autorisé, soit 22,5 millions d'euros
Faux, rétorque l'ancien directeur de campagne de François Hollande, Pierre Moscovici. On peut faire une campagne avec 22 millions d'euros, c'est le plafond légal, une campagne qui soit modeste et efficace, qu'il faut être très rigoureux dans la gestion de ses affaires, que ça ne supporte aucune forme de manquement aux lois et aux règles. Possible également de ne pas dépasser le plafond, selon Marine Le Pen, qui rappelle les sommes engagées par son parti. Moi, j'ai fait une campagne présidentielle à 9 millions d'euros, vous imaginez ? Le plafond des dépenses a augmenté par rapport à la campagne présidentielle de 2007. Il était à l'époque de 21,5 millions d'euros pour le second tour. Mes amis, j'ai une recommandation à vous faire. Ne prenez pas de drogue, surtout des hallucinogènes. Les effets secondaires peuvent être terrifiants. Par exemple, moi, la dernière fois que j'ai pris du LSD, c'était en 1982. Ça fait une paye quand même. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu une remontée hier, dimanche, 32 ans plus tard. Eh oui, hein, j'étais en train de feuilleter le JDD en regardant Roland-Garros, quand soudain, j'ai cru lire le gros titre suivant, Sarkozy, retour imminent à l'UMP. Et juste en dessous, ses proches en sont désormais convaincus, Nicolas Sarkozy va devoir se rasseoir dans son ancien fauteuil de président de l'UMP. Je me suis dit, merde, une alu, je fais une remontée d'acide fulgurante. Vite, une douche froide. Quand je suis revenu de la salle de bain, le titre était toujours sur le journal. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas moi qui étais dans un état second, mais le nain surélevé et la petite bande d'illuminés qui l'entourent. C'est vrai que c'est juste hallucinant. Hein. Ces types-là sont totalement fracassés de la calebasse. Sarkozy, retour imminent à l'UMP. Le gars s'est fait défoncer à la présidentielle il y a à peine plus de 2 ans, battu par un adversaire dont la nudité est aujourd'hui avérée. Il trimballe un orchestre symphonique de casseroles judiciaires accrochées à ses talonnettes, dont une particulièrement gratinée. L'accusation de s'être fait financer sa campagne de 2007 par Kadhafi, un dictateur fou, et de l'avoir fait estourbir quelques années plus tard pour effacer les traces. Et on vient d'apprendre avec l'affaire Big Malion que les dirigeants de l'UMP ont truandé l'État à hauteur de 13 millions de fausses factures établies expressément pour couvrir les dépassements de frais pharaoniques de la campagne de Sarkozy en 2012 et qu'en plus de ça, ils ont eu le culot de faire les poches de leurs militants lors du Sarkoton pour un montant de 11 millions. C'est pas un copéton qui a été organisé, hein. C'est bien sur le nom de Sarkozy que quelques milliers de pauvres cons de militants de base ont cassé leur tirelire, un pigeon bleu-blanc-rouge en terre cuite avec une fente sur le dessus, pour sauver leur parti. Autant dire que le gnome spasmodique est non seulement éclaboussé, mais mouillé jusqu'au cou dans les carambouilles de l'UMP. Même si ça fait pas très haut, ça devrait l'inciter à se faire encore plus tout petit. Et que fait-il répondre à ce vieux Brice, au journaliste qui l'interroge ? Le président Sarkozy est tombé de l'armoire en apprenant l'affaire Big Malion. Il est très mécontent de voir son nom associé à cette curieuse actualité. Et hop, j'annonce dans la foulée ma candidature imminente à la présidence de l'UMP. Avouez que c'est quand même extraordinaire. Hein, on est dans la farce absolue. C'est un film des Marx Brothers. Le Jérôme Lavrieux qui est venu pleurnicher sur BFM TV avec sur la tête un chapeau de la taille du sombrero de Pancho Villa en expliquant benoîtement que ni Copé ni Sarkozy n'étaient au courant du coût des fausses factures. C'est pour ça qu'il pleurait, hein, pour s'empêcher de rigoler. Il n'était pas que l'homme de main Copé depuis 10 ans. Il était aussi le directeur adjoint de la campagne de Sarko en 2012. Connu comme le loup blanc dans le parti, comme le spécialiste des coups tordus. Son surnom, c'était pas Casimir, c'était Dark Vador. Ou la vrille, le type qui appuie là où ça fait mal. Pendant les meetings de Sarko, c'était lui qui s'amusait à lancer la Marseillaise à chaque fin d'intervention de François Fillon pour couvrir les applaudissements. Oh ben non, je tombe des nues. Qui est ce voyou que j'ai engagé à l'insu de mon plein gré ? Ah non, non, je suis responsable de rien, moi. Je suis au-dessus de tout ça, enfin. J'adore ces mecs de droite qui n'ont que le mot responsabilité à la bouche, mais ignorent ce que ça veut dire. Et sa grande gigue inaudible, vous savez comment elle a commenté le résultat de l'élection européenne ? Elle a envoyé le texto suivant à ses copines qui avaient voté Hollande en 2012. C'était dans le Canard de mercredi. Oui, le FN devient le premier parti de France et ça sera de même en 2017. Préparez-vous, tout ceci est le résultat de la nullité abyssale de votre ami Le Pingouin et de tous ceux qui ont voté pour lui, sans rancune, et mis les batchis, car là,
Carlita, enfin, ne te fais pas plus gourde que tu n'es. C'est vrai que le métier de top modèle n'est pas celui qui forme le plus naturellement, le plus efficacement à l'analyse politique. Mais quand même, tout le monde sait que celui qui a légitimé le FN à coup de discours de Grenoble, qu'il a installé là où il est aujourd'hui, sous la houlette de son conseiller préféré, Patrick Buisson, hein, c'est pas le pingouin, c'est ton Raymond, le lilliputien malfaisant. C'était lui qui était au pouvoir en 2012 quand Marine Le Pen a fait 18%. Eh oui, c'est comme ça, il faut vivre avec ma grande. Thank you.